Bien le bonjour. Merci d'être encore avec moi aujourd'hui. Et là, nous en sommes au 8e jour de notre défi des 33 jours. Oui, on avance petit à petit et on découvre plein de belles choses. Vous avez exploré hier avec moi le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 1 qui se trouve au niveau de la face interne des genoux, qui nous aidait donc à lâcher, qui est de l'énergie descendante, à expirer. Et aujourd'hui, à nous incarner aussi celui-là. Enfin, je ne vais pas à chaque fois tout répéter. Vous irez voir la vidéo d'hier. Mais aujourd'hui, on continue avec le verrou de sauvegarde de l'énergie. Eh bien oui, dans l'ordre numéro 2. Alors, où est-ce qu'il se situe, celui-là? Il se situe à l'arrière du corps. Vraiment ici, au niveau du sommet tonocrète iliaque. Si vous sentez avec vos doigts, vous avez peut-être en déposant vos doigts comme ceci, vos mains, vous allez sentir le sommet de votre os, et bien c'est ici dans cette région-là. Donc on va pouvoir déposer des mains comme ça dans le dos. Alors plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ou vous venez déposer, voilà, les mains directement comme ça. Peut-être qu'à longue échéance, si on reste longtemps, ça va devenir inconfortable. Vous pouvez à ce moment-là vous allonger, simplement vous mettre sur le dos. Peut-être que dans cette position sur le dos, ce sera moins évident de garder les paumes de main vers le dos. Alors vous pouvez tout à fait mettre le dos des mains comme ceci et vous installer comme ça de manière couchée. Tout est possible. L'énergie passe dans les mains, d'un côté ou de l'autre, je vous ai dit, comme cette sphère. Donc il n'y a pas de souci, vous mettez la paume de la main dans le sens qui vous convient dans le mieux. Toujours cette idée d'être confortable. On n'oublie pas qu'en Jinjitsu, l'idée est d'être toujours confortable. Et pas de règles. Et donc faites comme c'est le mieux pour vous. Le raccourci au niveau des doigts. Cette zone est difficile à atteindre pour vous, que ce soit assis ou couché, c'est l'annulaire, le quatrième doigt. Donc n'hésitez pas, à tout moment, soit ça devient inconfortable, ok, je lâche et je prends mon annulaire, ou alors dès le départ, je cocoonne juste mon annulaire et ce sera parfait pour harmoniser le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 2. Alors choisissez votre position et installez-vous. Soyez confortable à nouveau. Fermez les yeux. Et rentrez à l'intérieur de vous. Important de d'abord entrer en connexion avec soi, d'explorer toutes ces zones du corps sans a priori, sans étiquette, et d'observer vos ressentis dans un premier temps avant que je ne vous donne un peu plus d'explications. Des bribes d'explications parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais juste là donc, revenir à votre corps. Vous déposez dans ce volume qu'est votre corps. Tête, jambes, bassin, tronc, bras, tête, souffle.
être ici, maintenant, avec ce qui est. Vous êtes tel que vous êtes à cet instant et c'est parfait. Comme moi, vous avez les mains dans le dos. Ressentir ce qui se passe sous vos doigts, peut-être, ou ailleurs. Et si cela devient trop inconfortable, si des tensions s'installent dans vos épaules, comme moi, juste revenir prendre un de vos annulaires. Deuxième verrou, sauvegarde de l'énergie, placé à l'arrière, va donc vous aider à inspirer, à nous régénérer. Il nous parle de sagesse. Il signifie force vitale pour toutes les créatures. Il va ainsi aider tout le bas du corps, les jambes, mais aussi le bassin, le dos, votre squelette. Nous permettre de nous élever, de nous aligner. Retourner à la source. On lui donne aussi le surnom d'ostéopathe personnel. Si vous sentez comme ça venir tout d'un coup une grande expiration, une grande inspiration plutôt ici avec le 2, c'est merveilleux. L'harmonisation se fait. La guérison se met en place.
Dites juste merci. Puis relâchez. Restez encore quelques instants en présence avec vous-même, avec ce qui est là, avec votre état d'être. Et vous tournez doucement ensuite vers l'extérieur. Son, couleur, peut-être odeur, et j'espère que ce petit moment vous a été bénéfique, que vous avez encore explorer une autre zone, découvert de nouvelles choses, et puis partager, commenter, liker, et on se retrouve demain pour le jour suivant de notre défi. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.